tout le monde, merci d'être avec moi pour la lecture du psaume 28 et aujourd'hui le thème « Prière face aux troubles et à la méchanceté » et c'est un psaume de David. Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix. Si tu t'éloignes sans me répondre, je deviendrai pareil à ceux qui descendent dans la tombe. Écoute mes supplications quand je crie à toi. Quand je lève mes mains vers ton sanctuaire, ne m'entraîne pas dans la ruine des méchants et des hommes injustes. Ils parlent de paix à leur prochain et ils ont la méchanceté dans le cœur. Traite-les conformément à leurs actes et à la méchanceté de leurs agissements. Donne-leur ce que vaut l'œuvre de leurs mains. Paie-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne font pas attention aux actes de l'Éternel, à l'œuvre de ses mains. Qu'il les abatte et ne les relève pas. Béni soit l'Éternel, car il a entendu mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est une forteresse pour sauver celui qu'il a désigné par onction. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Bonne journée à tous. À demain.